Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Warigam Story, du coup qui a noté ma map edit. Et donc bon, moi j'ai noté pas mal de map edit de Le Bouzeux, il s'est permis de noter la mienne. Et j'ai fait une petite vidéo réaction tout simplement. Et voilà, d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à noter ma magnifique coiffure sur 10 dans les commentaires. Ah là là, on a léché le coiffeur bien évidemment, parce que là ça devenait plus vivable. Du coup c'est peut-être la fin des casquettes. Ok, bah c'est peut-être la fin des casquettes, ouais. Bref, nous on est parti pour regarder la map. Objectif 2000 pouces bleus sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars, il y en a plein qui regardent la vidéo, ils sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, qu'on passe les 50 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Du coup c'est parti, mais là qu'est-ce que je vois là? Salut les trous du... C'est quoi les gars? Déjà on va se mettre comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et deuxièmement, soutenir un créateur les amis. Bah les gars, n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau hein. On est bientôt à 1000, on est à ça des 1000 soutiens les gars. On est à 660, donc les gars, rentrer le code créateur Cocteau, ça ferait juste extrêmement plaisir. Aujourd'hui on va noter la map de Cocteau. Alors, allez, c'est parti. Il a été fait par lui, il a noté des maps d'autres personnes. Donc oui, je reprends son concept pour sa map à lui. Donc, En vrai, j'ai pas vraiment inventé le concept de noter des maps edit hein, mais... Enfin, noter des maps, c'est pas vraiment un concept en soi. Hein. Voilà, pour, parce que personne note ça. C'est juste que je suis le mec le plus connu qui ait fait ça. La map, donc décidez de faire pareil. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Exactement, pouce à bleu. À un petit commentaire. Commentaire. À vous abonner. Ouais, abonnez-vous. Une notification, voilà, tout simplement. Bien et sûr. Vous en doutez, devenir un créateur. C-O-Q-T-O, Cocteau. Mais il fait tout pour moi, ce youtubeur, c'est un truc de ouf. Décidément, créateur Cocteau. Hein. C'est parti. Alors. Ok. Et c'est sur PS4 bien, non? Et sur PC bien. Ok, sur PC, full, en épique. Bien le thème, hein, tout simplement. Bien sûr, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé vite fait la vidéo de Cocteau sur internet. Par contre, je sais pas vraiment ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai vraiment pas du tout entraîné sur cette map. En vrai, la map, d'ailleurs, il y a le code en description, elle est vraiment intuitive. Vraiment, si t'as pas vu la vidéo, à part si t'es vraiment... T'es né à côté d'Hiroshima et t'as encore de la radioactivité dans le sang. Sinon, genre vraiment, elle est super intuitive. Les gars. Donc déjà pour la décoration j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. En vrai la déco elle est vite fait quoi. J'ai mis un 9. 9, oh là là, sur 10. Pas 10 parce que je pense que rien n'est parfait comme on dit. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. T'es bien renseigné. Je mettrai jamais 10 dans une vidéo ou quoi que ce soit sur une map. Pour noter. Explication de la map sur la chaîne YouTube, 100% de cash price, 50€ un clavier. Ok d'accord, ok très bien. Derrière les mobiles, faut que je regarde les mobiles. Hey, y a pas... D'ailleurs faites une vidéo les gars, faites une pute. Vous voulez que je réagisse? Vous voulez que je... Y a pas de vidéo? Les gars, faites des vidéos sur la map, comme ça vous pouvez peut-être gagner de l'argent, etc. etc. Il y a pas grand monde qui ont fait, c'est vraiment dommage. Hein. Bon, moi je pue la merde. Hein. Personnellement, je suis pas un pro, je note juste la map pour donner mon propre avis. Vas-y, on va voir. Là, j'aurais dû mettre des sols par terre. En edit, vraiment pas. C'est juste histoire de. Voilà quoi, pour se faire plaisir, tout simplement. Ok, alors. C'est parti. Ça, c'est okay. Intuitif. Hein. Il va vraiment. Wow. Tu peux pas te tromper là, c'est pas possible. Okay. Ah, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Ah bon, par contre j'adore le concept de l'eau hein. Ouais, en vrai là c'est ça entraîne pour la saison quoi. Là, en vrai c'est... Les deux premiers sont faciles à passer. Ah, je suis un connard. Il va galérer à la fin. Je sais pas ce que je dois faire les gars. Merde, je me suis hanté, bah, c'est pas grave. Si, allez, si. Vas-y, encore. Là je crois qu'il faut éditer en 10, en 6 il me semble. Ouais, en 6 c'est compliqué hein. Quand t'as pas une grosse 106 c'est compliqué hein. J'arrive pas. Pas rien dans l'eau. On voit pas les couleurs. En fait son jeu est en épique. Je crois qu'on a édité en fait. Bah ouais mais son jeu est en épique en fait. Rah, il va mettre un 2 sur 20 là. 2 sur 10 ça va me rappeler l'école. Je vais pas faire un bon temps hein. C'est très difficile. En vrai c'est pas facile. Franchement si t'as jamais fait la map c'est pas facile hein. Attends. Passer là. Et tu peux pas... En vrai tu peux pas passer. En 6. Impossible. Même pas okay, tu okay, peux. Attends. Rah, là là ça bégaye là. Ah, ok c'est... d'accord. C'est quoi ça là? Ah voilà non c'est ça qu'on veut ah, voir. Okay, okay, bah voilà nickel. Une fois que t'as le rythme dans la peau. Nickel. Ok d'accord, ouais, du coup ça change les edits parce qu'on n'a pas l'habitude à faire ce genre de choses. Bah ouais, mais c'est là c'est... sous l'eau... Bah, en fait, y a personne qui édite comme ça sous l'eau, tu vois, ça s'est jamais été fait, donc forcément, bah, quand c'est une première fois, t'as du mal, tu vois. Tu peux mieux faire ce genre d'édit en fait, parce que tu peux pas le faire, tout simplement... Bon, ça c'est intuitif de fou, ça. Sous terre, quoi, c'est pas quelque chose que tu vas faire souvent sous terre. Ok, triple edit. C'est pas ce que je dois faire, les gars, donc, bon, vous m'en voulez pas si je me trompe dans les edits. En vrai, ils se trompent pas, hein, comme j'ai dit, la map est intuitive. Un éditeur pro, je suis juste là pour. Ok, très petit. Putain, à chaque fois, j'y pense pas. Je parle. Ok, il faut faire ça, je suppose. Ouais, voilà, là, c'est nickel. Bon, par contre, il note pas les étapes. Pourquoi il note pas les étapes? Je suppose, hein, j'en sais rien. J'ai regardé vite fait la vidéo pour voir. Où il y avait Ewars. Ah, Ewars, le boss. Hein. Ewars, comment c'est le boss? Je crois que c'est ça qu'il faut faire, il me semble. En vrai, son skin est stylé, c'est le skin de Cocteau ça. En vrai, j'aurais dû l'acheter. Là. Il a un petit poussin là. C'est ça. Je savais pas qu'il y avait un. Merde. Ouais.
J'aurais peut-être pas dû mettre des skis, parce que les skis dans l'eau c'est compliqué quand même, allez, putain. C'est très très compliqué, hein. Ça me perturbe en fait, parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, du coup j'arrive pas du tout à le faire. C'est très complexe. Là, ça c'est faut avoir un... Ouais, là c'est compliqué, faut avoir les timings, hein. Ah si, j'y arrive pas du tout. C'est bon, c'est... du coup il a pas eu le boost jusqu'à la fin. J'ai même pas réussi à avoir le boost jusqu'au bout. Ah normalement t'as le boost jusqu'au bout, mais il faut vraiment avoir le parfait timing. Bon, pour hein. L'originalité de la map, je mettrais un petit... Alors aussi, franchement. Ah les gars, là, on est là pour l'instant, on a une moyenne de 9 sur 10 là, ça fait 18 sur 20 là. Ah là là. Bon, le décoration intérieur, je pense qu'il pouvait pas faire mieux. Que t'es dans l'eau donc... Ouais. En vrai, la décoration intérieure, j'ai opté pour du simple, du basique, c'est-à-dire du bleu avec un petit sol métallique. Parce que trop de décoration, ça fait bug. Et bah, quand t'édites, le but, c'est pas de bug. Quoi. C'est quoi qu'il faut faire, là? C'est intuitif. Hein. Vraiment, c'est intuitif. Donc vraiment, genre là, tu vois, c'est vraiment... Tu peux pas te tromper, en fait. Nickel. Je sais pas si c'est ce que je dois faire. Il y a une épreuve, on sait pas trop. Pas du tout ce que je dois faire, je suis désolé si j'écorche la map. Ouais, mais il peut pas l'écorcher en fait. Genre, en fait, je vois pas ce que tu peux faire d'autre que ça en fait. Là, je sais pas ce que je dois faire, je pense que c'est ça. Alors, en tout cas, le bon Graal sous l'eau, je sais pas si on l'utilise vraiment en game donc. Non, tu peux pas le faire, ça marche pas, ça te bloque. Je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser, mais qu'est-ce que je dois faire là? Non, ça, bah, il sait pas. Bah, pourtant, j'ai mis les designs et tout, bah ouais. En gros, faut refaire le truc pour ça. S'il connaît pas la chaîne, normal. Ça, je pense que c'est pas trop compliqué en fait, en vrai. En fait, avec un petit peu d'entraînement, ça va. C'est des exercices assez. Ça, c'est basique, ça. Ça, en vrai, c'est vraiment simple. En fait, quand il se loupe, il accélère, ça me fume. Mais what? Il fait quoi là? Dans quoi? Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là? Qu'est-ce qui. Ok, il a accéléré, ok. En gros, il notait plus la map, du coup, il a accéléré. Ah, oh, ça, c'est trop. Ça, les gars, vraiment, c'est l'épreuve la plus compliquée. Ça m'étonne pas qu'il ait galéré. Eh non, ouais. Merde. Ah, tu m'étonnes, elle est vraiment compliquée, c'est ça. C'est archi dur, les gars. Ah, ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est. Ok, là-bas. Ça, c'est facile, ça. Ça, en vrai, là, si tu arrives pas, là, c'est que tu joues pas à Fortnite, là. C'est que tu fais jamais une map edit. Parce que ça, dans toutes les maps edit, il y a une montée comme ça. Ok, bon, en vrai. Ok, bon bah. Il doit pas faire trop de map edit, honnêtement, je pense. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui est souvent. Et j'ai pas mis les dégâts de chute. Eh ouais. Okay. J'ai pensé aux petits noobs comme toi, non, c'est le cas. Je te rigole. Je dis ça alors que je suis éclaté au sous-sol. Je dis ça, je suis éclaté. Je rigole, je retire ce que j'ai dit. Ah ouais, je crois que là, il faut faire les extends. Attends, on va essayer quand même. Il devrait. Je sais pas s'il faut mettre le. Ok. En vrai, après il a pas le boost là donc ça va doucement tu vois. Mais normalement quand t'as le boost ça va vite. Ok, extend. Ça va. En vrai ça se fait. Ça c'est okay. Simple. Ça c'est simple. Ça vraiment bon, ça. Je suis clavier souris du coup les dites honnêtes, c'est assez simple. Ça c'est basique ça. Ça c'est dans toutes les maps edit pareil. C'est assez simple je pense. Ok ça va, c'est good. Et là, ça c'est le petit moment fun. Il y a une petite strat que Wars a mis en place pour en gagner du temps. Au niveau des exercices, franchement c'est pas mal. 3 minutes 30. Je pensais que j'aurais fait moins de 10 minutes. 3 minutes 30. Ah, en vrai, c'est. Ça va, c'est quand même moins de 10 minutes. Mais 10 minutes c'est chaud quand même. 10 minutes, tu vois, franchement, parce que bah, je connais pas du tout la map. J'ai jamais testé. Je pensais faire moins plus de 10 minutes, mais en vrai ça va. 3 minutes 30 pour quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Ça va, ce que vous en pensez les gars pour mon premier score. On va essayer de faire mieux. En fait, en vrai, genre, en fait, c'est qu'il se loupe souvent sur des petits trucs de genre, il bégaye sur des trucs tout con, tu vois. C'est ça qui est dommage. Je garantis pas un super score, bien sûr. Relance la map, les gars. Mais dès mon avis sur les exercices, la première fois que je vois ça comme exercice dans l'eau, je pense que c'est que pratiquement tous les exercices sont très bons, vraiment. Après, il y en a qui sont un peu plus simples et peut-être pas utiles, je sais pas trop. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein d'exercices que dans les map edit on peut faire qu'on pouvait pas faire dans l'eau, par exemple. Des édits tout con, mais en gros, un mur et un escalier dans l'eau, le personnage il se bloque directement en haut et tu peux plus bouger. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Mais comme je suis pas un pro là-dedans, en vrai ça entraîne dans tous les cas. Ça entraîne pour ces marques parce que ce qui est bien, c'est que ça t'entraîne pour de nouvelles édits, tu vois. Celle-là, bon. Normalement, ils vont mieux faire la plupart des fois. Faut pas en faire en 6, mais. Parce que. En vrai, il se débrouille là, ça va. Ça, c'est assez simple, tu vois.
Et du coup, c'est vrai qu'on a pas l'habitude de faire ça d'en haut. Et quand tu te retrouves comme un con sous l'eau, bah, y a beaucoup d'entraînement là-dessus. Et je trouve vraiment bien. Donc je dirais une petite note pour les exercices 8. Voilà. En vrai, on a eu 9. 9 pour la map. 9 pour les exercices. Attends, mais quoi, il a pas dit 9 pour les exercices tout à l'heure. 9, 8. Ou en vrai, 8, 9 quoi. Attends, moi je voulais des mauvaises notes. Moi franchement. Innovant, moi je voulais qu'ils disent, n'hésitez pas à noter ma map. Ceux qui notent ma map, mettez sur avec le hashtag CocteauCup, comme là. Et en vrai, j'irais peut-être regarder d'autres mecs qui ont noté ma map, etc. Et ça pourrait être cool. Change, les exercices sont bien, bon, il y en a qui sont un peu moins bien, donc enfin, assez simple, on va dire. Après, c'est vrai que pour aller jouer à manette, il y en a qui sont plus durs que pour. Ah, et manette, c'est compliqué. Hein. Quand tu réédites, édite en 6 sur manette, c'est pas facile. Ok, voilà, quoi. Et c'est parti. Ah, du coup, il l'a refait. Du coup, il a refait la map, ok, mais on va pas forcément regarder. On va regarder le score qu'il a fait. 7,45. Bon, ça va en vrai. Il a fait quoi? Il a fait 7,45, il troll. Quoi? Il a fait 7,45. Ah ouais, mais d'accord. J'étais en mode, il a fait 7,45, en mode. Il a fait 2 minutes pour faire la map, j'étais en mode, ah ouais, il est chaud quand même. Ouais, d'accord. 5. Bon, ça va en vrai. Bon, ça... bah, y a moyen de faire 6 minutes, je pense, hein, si je pense. Ça va, il a quasiment fait 6 minutes. Le record, je crois que c'est 3 minutes, un truc comme ça. Ouais, ça va. Hein. Peut-être. Je suppose. Ça va, ça va. Je crois que c'est fini. Arrive, il me semble. C'est mon pompe. Moi, ouais, je sais pas. Bref. Du coup, en vrai, merci beaucoup à toi. Merci les gars. Merci beaucoup à lui pour d'avoir noté la map. Merci beaucoup à toi, Warrigame Story. Il a 136 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, faire les commentaires un petit peu. De mieux en mieux les intros. Belle vidéo. En vrai, les abonnés sont gentils. Bref, les gars, c'est vous. Putain, je sais pas parler, frère. J'étais à l'école ou pas? Bref, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. À vous abonner à la chaîne. Et puis n'oubliez pas, code créateur Cocteau. Et je suis en live tous les jours sur Twitch. C'est là le plus important, bien évidemment, là où tout se passe. En plus, regardez, là, j'ai fini mon live. Il y a encore des abonnés qui parlent depuis une heure, là. Du coup, c'est pour ça que des fois, je regardais mon écran. Bref, n'hésitez pas à les voir. Et j'ai Twitch en blanc. C'est une honte. Mais voilà, bref, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, c'était Cocteau, ciao!